Oui. Aujourd'hui, je suis persuadé que vous avez les cheveux tirés en arrière. J'ai un découvert de 172 francs 42. Et le client veut retirer 200 francs. Il dit qu'il vous connaît. C'est Laurent de Maison, compte... 5402M. Connais pas? Enfin, j'arrive. Vous savez que je ne résiste jamais au plaisir de vous voir. Monsieur de Noël arrive. Ça, par exemple. Je ne savais pas qui vous étiez... Enfin, que tu étais client chez nous. Ben ouais. Et comment tu as su que... J'ai réparé les chiottes. Ah, et c'est Hélène. Enfin, je veux dire, Madame du Pré-Grandval. Exactement. Montrez-moi ça. Oh, hein, t'as un découvert de... 172 francs 42. Et il y a un chèque de 107 francs 18 qui est arrivé ce matin. Je le paye, monsieur de Noël? Attendez. C'est embêtant, ça. C'est pas une somme importante. Et puis c'est la première fois. Ouais, bien sûr, mais... Maintenant, avec la nouvelle législation sur les chèques, on fait pas ce qu'on veut. Monsieur? Et Thierry, ici. Mais dites-moi, monsieur, j'ai là monsieur Laurent de Maison. Oui. Oui, alors il a un découvert de 172 francs 42 et il voudrait tirer 200 francs. Et d'autre part, nous venons de recevoir un chèque de 107 francs 18. Oh, écoutez, de Noël, vous me dérangez, pour... Oui, je sais, monsieur, je sais. Non, mais il s'agit de Laurent de Maison. Oui. Le plombier, l'ami de votre... Ah, oui, mais fallait dire tout de suite. Bon, faites-le venir dans mon bureau. Malheureux, mais pas moyen de travailler tranquille, alors. C'est un métier, on est débordé. Monsieur Dupré-Grandval va vous recevoir dans son bureau au quatrième étage. L'huissier va vous conduire. Merci. Le patron reçoit maintenant les découvertes de 172 francs 42. Et moi, je reçois et je découvre pour moins que ça. Monsieur Thierry, je vous ai déjà dit non. Et puis, vous êtes fiancé avec mademoiselle Dupré-Grandval. Ben justement, bientôt je serai le patron. Vous alors? Vous réfléchirez à mon de votre réponse cet après-midi. Je suis libre demain soir.